Bonjour, c'est Romu les bons tuyaux. Alors aujourd'hui, on va te faire un petit tuto. On va t'expliquer qu'est-ce que tu peux essayer de faire si ta Nintendo Switch ne s'allume plus. Alors, la première chose à faire, bien sûr, c'est de la brancher avec le secteur d'origine et de la mettre en charge. Alors, tu as deux cas de figure. Soit, premièrement, c'est ton chargeur qui est HS. Donc, si tu as les moyens de tester ton chargeur, tu prends par exemple ton téléphone qui est en USB type C. Tu branches avec le chargeur de la Nintendo, normalement ton téléphone devrait se mettre en charge. Donc, comme ça, ça élimine le problème du chargeur. Si ton téléphone se met en charge, tu sais que ça ne vient pas de chargeur. Voilà. Ensuite, deuxième chose à faire, je vais te donner ce qui est dit sur le site Nintendo. Alors, Nintendo dit tout simplement branchez votre Nintendo Switch avec le secteur, ce que tu as essayé. Et si tu as le petit icône en haut à droite de charge, c'est-à-dire que la Nintendo Switch va se mettre à charger, tu, tu laisses charger environ 10 minutes, 10-15 minutes pour qu'il y ait un peu de batterie. Ensuite, tu vas essayer de l'allumer, mais la console ne s'allumera pas. Parce qu'en fin de compte, la console, a, elle a bugué. Alors, pour réinitialiser le boot de la console, tu vas faire un truc tout bête. Tu vas appuyer sur la tranche là, au niveau du power, là, tu vois, où il y a les, le plus et le moins, tu vas appuyer sur le power pendant 12 secondes. Comme ça. Tu comptes. Tu fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tu relâches le bouton. Tu dis oui, mais la console ne redémarre pas. C'est normal. Parce que la console est en train de reset. Tu réappuies dessus, comme ça, pendant 12 secondes. Bon, moi, là, elle redémarre parce que je n'ai pas le problème. Et puis, normalement. Tu vois, la console devrait faire un truc comme ça. On va laisser le doigt appuyer pendant 12 secondes. Allez hop. Voilà. Un moment, ta Nintendo a fait ça. Tu as vu le logo Nintendo et ta Nintendo Switch, je te vais redémarrer. En fin de compte, ce qui se passe, c'est que quand tu laisses le doigt appuyer comme ça, tu fais une espèce de reset. C'est un reset tout simplement de la console qui recharge tous les programmes qu'il lui faut pour démarrer et la console redémarre. Alors ça peut arriver que la console bug et qu'elle redémarre plus du tout. En fin de compte, tu fais euh, une espèce de démarrage forcé. C'est pas un, comme, comme on dit, le, le fameux reset... Euh, à l'arrache parce que pour faire le reset machin, je te rappelle qu'il faut que tu mettes un jig là pour faire un court-circuit et tu laisses le doigt appuyé et ensuite tu rentres dans les options. Ça, c'est un reset classique. Voilà. Enfin, tu forces la console à réinitialiser ses logiciels de boot. Voilà. Donc, moi, je vais te laisser là. Si la vidéo, elle t'a servi et que t'as testé que ça marche, tu peux laisser dans les commentaires ça a marché, ça a pas marché. Alors, comme je te dis, la meilleure façon de savoir si ta Nintendo Switch va redémarrer, c'est tout simple, c'est que quand tu la branches en dessous en USB type C avec ton secteur et que tu vois le voyant de charge en haut à droite, c'est que la console va redémarrer. Alors si la console ne redémarre pas, comme je te dis, ça peut être le secteur qui est défectueux. Je t'ai donné un truc, ça marche, euh, certains, certains téléphones USB type C, tu peux brancher dessus comme ça, tu laisses pas longtemps, tu vois si ton téléphone se met en charge. Parce qu'il y a des téléphones à charge rapide ou quoi que ce soit. C'est juste pour tester le secteur. Si as un deuxième secteur, change de secteur et teste avec un autre secteur. Et puis ben après, tu fais comme je t'ai dit. Toi. Tu laisses le doigt appuyer pendant 12 secondes après avoir laissé la Nintendo charger environ 10-15 minutes. Et si ça ne reboot pas, ben malheureusement pour toi, je pense que ta Nintendo Switch a un problème. Voilà. Sur ce, moi je te laisse. Je te souhaite une bonne fin de journée. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas. N'hésite pas, laisse un petit pouce, un petit commentaire et tu peux même t'abonner si ce n'est pas encore fait. Allez, ciao